Daphné, moi, plus jeune, j'avais un rêve, vous savez, un seul et unique rêve qui m'animait comme ça, étant jeune. C'était de ne jamais, jamais, jamais quitter mon lit et, du coup, de rester à la maison pour prendre soin de moi. Et alors ? Et alors, aujourd'hui, c'est possible ! Oui ! Oui ! Ben, va falloir nous expliquer pourquoi ça vous fait pleurer. Il faut que j'explique. Ben oui. Oui, c'est vrai, c'est ma chronique. Non, mais juste aujourd'hui ensemble, j'ai réussi à trouver des solutions pour prendre soin de soi à la maison. Un spa à la maison. Et vous allez voir, aucune partie de votre corps n'est en reste aujourd'hui. Okay. C'est parti, jingle. Restez belle, zen et flemmarde. Beau zen et flemmard aussi, hein, rassurez-vous, il y en a pour tout le monde. Donc j'ai créé le petit spa parce qu'ici, notre plateau, c'est un petit peu notre maison. Hein. On espère aussi que vous y plaisez. Donc j'ai fait un petit shopping pour se détendre avec des accessoires spa que vous allez pouvoir utiliser à la maison. On va commencer tout de suite avec notre belle Aurore qu'on applaudit et qui s'est mise pieds nus. Elle s'est mise pieds nus, elle se met à nu avec la langue française dans, dans cette émission. Et alors là, Aurore est en train de vivre une expérience qu'elle n'a toujours pas commencé. J'arrive pas à entrer mes pieds dans Et pourtant, vous avez des pieds tout fins, tout beaux. Alors, on rentre ses pieds et là, vous avez une machine qui masse les pieds. Alors, elle est utilisée pour se détendre, évidemment. Et ça reproduit le massage traditionnel du shiatsu, donc avec des pressions. Souvenez-vous que les pieds, il y a 72 000 terminaisons nerveuses. Donc, c'est vrai que lorsqu'on vous masse les pieds, je sais pas vous à la maison, mais ça fait du bien. Aurore, une impression. Écoutez... C'est très douloureux. Voilà, c'est très douloureux, mais c'est parce qu'il y a, c'est parce qu'il y a des mordes. Mais après, vous serez très détendu. Courage. Bon, on applaudit. Bon, on passe à Alexandra, notre sexologue préférée, qui va bien évidemment me dire. Mais Jeanne, c'est quand même mieux de se faire masser par son conjoint. Alors, eh ben non, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est vrai que le conjoint ou la conjointe n'est toujours pas là. Et parfois, on est célibataire. Alors, on s'équipe de cette machine. Ah bah, bien sûr. Mais oui, ça remplace le conjoint. C'est le petit conseil. Pourquoi ? C'est mieux, le conjoint. Alors, attendez, on va expliquer. C'est le massage pour les jambes. Ouais. Bah, voilà, on vient de passer des pieds. Pour la nuque. Et on arrive pour les jambes. Là, vous avez donc de la pression. Vous avez aussi de la chaleur. Et des vibrations. Vous voyez, regardez la différence. Regardez le visage d'Alexandra. Effectivement. Mais regardez André qui n'a pas la même machine. Ils n'ont pas le même. Ils vous voyez pas la le différence. Même truc. Elle on se détend qu'il y a complètement. Quelque chose. Elle se détend complètement. Chose. Alors, ça, c'est bien pour les personnes qui ont les jambes lourdes aussi. Ça vous fait du bien. Mais arrêtez. Mais enfin. Moi, je prends ce sujet très au sérieux. Le spa à la maison, c'est important. Parce que c'est vrai que les massages coûtent très cher. Et quand on fait ces petits calculs, eh ben, on s'en sort. On rentabilise la machine, Daphné. Donc voilà, on a cette machine. On vibre, on se détend la jambe. Voilà. Et on est prêt, quoi. Ça va ? Ok, ok. Ok, donc la chatouille. Oh ah. Sensation forte. Le petit cri viril d'Alexandra. Elle dit qu'on dirait que j'ai une télécommande pour autre part. Non. Non, non, non. Alors ça on continue. Fait les guilis, tout ça, vraiment là, partout. Ah non, mais c'est très fort, hein, là. Ah oui, là, j'ai mis à fond. Vous avez bien évidemment du plus, du moins. Alors, on va y aller un peu plus mollo pour Alexandra. On continue maintenant avec André Manoukian, qui ne nous voit pas. On peut faire ce qu'on veut de lui. Mais surtout, il est en train de vivre une expérience dingue parce que je vous ai trouvé cette machine. On est en train de lui masser la zone oculaire. Est-ce que ça va, André? Est-ce que ta zone oculaire va bien? Hein? Comment va ta zone? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de, effectivement, masser toute la zone autour des yeux. Ça fait un aussi qu'il existe de la réflexologie oculaire. Autour de vos yeux, vous avez des points de pression très intéressants qui vont venir un petit peu détoxifier votre lymphe, donc nettoyer, drainer la lymphe qui est autour de vos yeux. Ça va lifter votre regard. C'est un anti-cerne, un anti-poche, donc on se sent bien. Et surtout... Est-ce qu'il va m'étrangler ou pas? Et surtout, ça fait du bien pour les gens aussi qui ont des migraines. Pensez à bien vous masser les yeux, parce que souvent, vous portez des lunettes, vous avez mal à la tête, il y a plein de choses. Mais oui, ça gonfle, ça dégonfle. Oui, il y a de la pression. Les gens qui travaillent devant des ordinateurs aussi, ça fait beaucoup de bien. Ça fait du bien, et en même temps, j'ai l'impression que ça évacue toutes les pensées négatives et que je ne suis plus qu'amour et caresse. Ah ! Ok. Alors, Daphné, on va passer à Daphné.
Daphné, vous, je vous ai préparé une petite expérience au niveau de la nuque. C'est bizarre. Et oui, il y a des petites bouboules dedans. Et en plus, elles sont chaudes. J'ai terriblement mal. Vous avez... Alors, baissez. Je peux arrêter. Non, oui, vous pouvez arrêter. D'accord. Ou baisser un petit peu le niveau. Je vous ai tout mis au max, les loulous, parce que je vous sentais un peu stressée. C'est ça. Daphné, alors venez vous adosser à ce petit coussin de massage qui va venir masser et vos épaules et votre nuque. Ouais. Est-ce que vous vous sentez mieux, Daphné, d'un coup ? Ça vient de démarrer. Exactement. C'est pour ça qu'il faut faire ça à peu près 15 minutes. Amusez-vous, bien évidemment, à le faire tous les jours. Donc là, ce qui se passe ici, c'est qu'on va reproduire aussi ce fameux massage shiatsu. Dedans, vous avez des boules qui viennent, qui montent, qui descendent. Ces boules sont à infrarouge. Et alors, ces boules émettent de la chaleur. Donc, bien évidemment, la chaleur va réduire les tensions musculaires. Donc, c'est très, très important. Vous avez plusieurs fonctions, plusieurs modes qui vont venir vous détendre au niveau des épaules. On va enchaîner maintenant avec Caroline Veil qui, elle, a le total back. Ah bon ? Vraiment, oui. Ouais. Vraiment, c'est pour se masser le dos. On a le full dos, c'est-à-dire vraiment, ça va... Vous massez les trois zones du dos. Moi, j'adore. Hein, je passe un moment délicieux. Regardez, tout à l'heure. Ah oui, il y a des petites boules aussi. Alors, on reprend un petit peu, effectivement, le même système que Daphné, sauf que là, c'est pour tout le dos. Ça fait du bien, Caroline, revenez vous installer. Ah ouais, tout de suite. Hein, tout de suite, regardez, c'est complètement fou. Hein. Caroline Veil, ça vous fait du bien. Ouais, c'est délicieux. C'est délicieux, moi, voilà. Alors, de là. Donc, on passe maintenant à une autre zone pour Caroline Diamant. Ah, laquelle La zone. Donc là, on est sur un massage palmaire, c'est-à-dire on est sur une réflexologie palmaire, on est en train de masser les mains de Caroline Diamant. Caroline Diamant, réaction. Elle a la main dans un toaster. Ah, moi j'adore, moi c'est ma préférée, celle de Caroline Diamant. J'ai mis un gant. Alors vous avez déjà, quand on vous prend la tension, bien sûr, on vous serre très fort, vous exactement, avez l'impression que ça va péter. C'est le même principe. Vous voyez, c'est vraiment, non, mais... ça appuie très fort et quand vous pensez que la main va exploser, il relâche. Bon, alors là ce qu'elle vient de décrire, c'est de la réflexologie des mains. Ah, oui. C'est-à-dire qu'on va venir appuyer encore une fois sur vos poings. Il faut savoir que sur le pouce par exemple ici, ça représente votre tête, etc. Donc on va venir masser certaines zones de votre main pour vous détendre tout le corps. Vous enfilez un Je petit peux pas la sortir. Oh putain. Oh putain, c'est flippant. Vous enfilez, il y a... C'est parce que... Attendez, il vous reste 3 minutes, dites Caroline. Bonjour, dites au revoir une demi-heure. Voilà, en fait, vous avez des temps. Vous pouvez vous masser 5 minutes la main et l'autre main. 10 minutes, là, elle a envoyé la gomme, hein, Caroline Diamant. Elle a mis le maximum. Elle a mis le massage à fond. En tout cas, vous changez de main un moment. Attendez, non, mais n'essayez pas de retirer votre main, vous allez la perdre. Il faut éteindre la machine. Bye, bye. Bye, bye. Ah ! Alléluia ! Et il faut mettre un gant juste avant, parce qu'effectivement, ça serre très, très fort. Et bon, alors, la conclusion, c'est que c'est franchement pour moi un succès. J'ai la marque de la machine. Elle est brisée. Non, attendez. Mais au-delà de ça, Caroline Diamant est vraiment détendue. Moi, je crois en ma chronique. Moi, je défendrai ma chronique jusqu'au bout. Tous les 6 vont mieux. Je le sens, ils sont moins stressés. Bon, en tout cas... Vraiment, ces machines, je les ai testées. Ça fait des années que je teste pour vous les derniers accessoires de beauté et de relaxation. Vous aurez toutes les informations sur le site de France TV. Testez-les, dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci, Jeannanne. On est très détendus. On vous remercie d'avoir suivi ce nouveau numéro de Je t'aime, etc. On vous laisse avec Sophie Davant, affaire conclue. Merci pour tous vos messages. Et on vous souhaite surtout une très bonne journée. Bye bye. We'll be right back.